Bonjour les amis. Salut à vous. Eh bien avec Brigitte, on est super heureux de vous retrouver en ce mois de septembre. Et aujourd'hui, comme promis, un tour, une illusion. Un effet classique qui existe depuis pas mal d'années. Et cette fois-ci, c'est pour vous. Alors Brigitte, oui. Je te présente un billet que je vais te demander d'examiner sur toutes ses coutures. Oui, c'est un billet. Un billet. Et ici, une clé. Oui. Ça va ? Ça va. Le billet de banque. Et la clé. Et la clé. Alors regardez. Savais-tu que... Savez-vous qu'il y a une manière de savoir si le billet est faux ? Ah bon ? Les magiciens ont trouvé une méthode. Et je vais essayer de vous la montrer. Elle se trouve à peu près... la source de vérification, elle se trouve à peu près vers le milieu. D'accord. Et regardez, je vais simplement prendre cette clé. Mm-hmm. D'accord. Et je vais essayer de viser juste. Si le billet est vrai, normalement, le billet ne se transperce pas. Ah ouais ? Oui. Ne clignez pas les yeux, restez bien avec moi. Tu es prête ? Je suis prête. 1, 2, 3. Ah bah non, c'est un faux. Le billet s'est transpercé. Je montre bien. Le billet a été transpercé. C'est incroyable. Mais comme je l'ai dit au début, ce n'est juste qu'une illusion. Car si on attend un petit peu, eh bien, au bout d'un moment, tu peux regarder le billet est revenu. Il n'y a pas de trou, il n'y a plus rien. Sans trou. C'est vrai. Et voilà. J'espère que cet effet vous a plu, car c'est une superbe illusion que vous pouvez faire entouré devant tout le monde. Il n'y a rien à voir. Dans la prochaine vidéo, je vous propose un tour de cartes, un tour de John Bannon. Alors restez bien à l'écoute, car ça arrive bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Likez, commentez et passez un bon week-end. Allez, ciao les amis. Ciao.